assister à nos séances qui se passent une fois par mois. Je ne vais pas être très très long, simplement je vais accueillir M. Fouad Smokhoun. Moi, personnellement, je commencerai quand même par citer le docteur Nassim Nicolas Taleb, qui est encore un Libanais, qui est vraiment une très grande vedette de Wall Street aujourd'hui. Un financier libanais qui nous rappelle par sa théorie des signes noirs dans son livre qui est très très remarqué et qui prouve aujourd'hui les événements qui se passent avec nous en 2015, en début de 2015. Tant que le risque pays est en train d'augmenter, tant qu'on a des problèmes au Liban et que je voyage, je rencontre toujours des gens qui sont intéressés par le Liban. Donc vous parlez du miracle libanais, c'est une grande partie du miracle. Notre point fort le plus reconnu, je peux vous assurer, c'est de trouver les opportunités dans les crises. On a été éduqués de cette façon, les entreprises libanaises survivent de cette façon et je peux vous assurer que nous allons maintenir cet atout et réputation dont nous sommes très fiers contre vent et marée. J'aimerais vous rappeler à voix haute, à chacun de vous, que la plupart des entreprises libanaises aujourd'hui, leaders, que ce soit dans le monde financier, industriel, commercial, de services, de distribution, c'est des sociétés qui ont été créées, qui ont eu une énorme croissance dans les années de guerre les plus difficiles. Donc ce n'est pas un secret qu'aujourd'hui, que dans une instabilité, on trouve des opportunités, on trouve des croissances. Cette résilience, cette gestion du risque, cette adaptation rapide, nos trois langues, sont nos facteurs clés de réussite sur lesquels nous devons nous baser, nous différencier dans un monde, dans une économie mondiale de plus en plus compétitif. Par moi, très honnêtement, et je vous le dis du fond du cœur, le gaz et le pétrole libanais ne se trouvent pas sous la mer. Très honnêtement, je pense que notre vrai pétrole libanais, c'est chacun de vous. C'est chacun de vous, Libanais, au Liban, mais surtout à l'étranger. Ça, c'est notre vrai pétrole national. Je suis convaincu. Tender.